Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son évangile, soit toujours avec vous. Bonjour, paroissiens et paroissiennes, et bienvenue à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous suivent partout au Canada, surtout au Québec, et même aux États-Unis, à Boston. Alors, bienvenue à cette messe du cinquième dimanche ordinaire de l'année B. Durant son existence, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades, tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père, qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant.
je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Seigneur, viens changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capernaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce cinquième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose toujours dans l'Évangile de Marc ce texte qui parle aujourd'hui d'une manière forte d'une réalité humaine et de la présence de Jésus dans l'histoire humaine. Rappelez-vous toujours, pour faire un jeu, au moins, on a besoin de deux joueurs. Pour vivre et comprendre notre histoire humaine, il faut la voir sous la lumière de la foi, c'est-à-dire accepter qu'il y a deux protagonistes. Il y a Dieu et il y a l'homme. Il y a Dieu dans sa grâce, dans son amour, et il y a l'homme dans sa condition humaine qui, apparemment, c'est une condition depuis le péché originel, une condition de misère, une condition brisée. Et c'est là où la première lecture, Job, qui est un personnage très connu dans l'Ancien Testament, précisément connu à travers ses douleurs. Il expose ses douleurs à Dieu. Il arrive même à parler du néant. Et même chez les philosophes modernistes, les philosophes qui ont décidé que Dieu est mort, ces philosophes même, à travers leur écriture, à travers leurs idées, on voit qu'ils parlent d'un mur dans la vie, comme si la vie était une grande corvée
Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au monde à venir. Il ne croit pas au royaume. Pour eux, la mort, c'est la fin de tout et tous. Alors, c'est pour cela, la question de vivre en soi devient une grande anxiété. Mais devant cette condition humaine, martyrisée par les blessures, par les douleurs, par les ténèbres, il y a toujours le soleil, la lumière du ciel qui est Jésus lui-même, envoyé par le Père, proprement pour guérir cette condition humaine et la rendre capable de partager à la vie de Dieu. Alors, s'il y a tout ce désordre dans l'histoire humaine, il y a toujours le remède, et c'est Jésus. C'est ce que Saint Marc nous propose aujourd'hui. Jésus qui fait des guérisons physiques et spirituelles. Jésus qui a enseigné, il guérit, il libère, il soulage, il allège les misères humaines. C'est un fait dans l'Évangile. Mais est-ce que tout cela, c'est seulement appartient au passé, parce que l'Évangile a été écrit il y a 2000 ans maintenant? Peut-être on a oublié que notre condition humaine, c'est la même chose aujourd'hui? Ou bien nous sommes à l'aise de parler du passé, mais quand on arrive à notre temps, notre ère, notre expérience du mal en se tait? Non et non. Il faut toujours exposer le mal. Il faut toujours exposer les douleurs, la souffrance. Et comme dans le passé, il y a toujours des maladies d'aujourd'hui. Maladies du corps, maladies de l'âme. Il y a des gens qui souffrent physiquement et spirituellement. Nous sommes dans une pandémie et vous pouvez bien comprendre ce que je dis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi Jésus qui est prêt. Aujourd'hui même, dans notre ère, dans notre situation, il y a Jésus prêt comme toujours à guérir. C'est son métier de fils d'homme. C'est son métier. C'est son expertise, la guérison. Parlons un peu des dépendances de nos jours. Il faut exposer nos péchés et nos souffrances en faisant confiance à celui qui a donné la vie pour chacun de nous, pour nous libérer de tout le mal. Peut-être on pense aux gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous-même, vous avez une condition, soit physique, soit spirituelle. Mais quand vous regardez autour de vous, il y a aussi d'autres choses qu'on n'expose pas vraiment assez devant le Seigneur. Par exemple, la dépendance de la drogue qui détruit les personnes et leurs familles. Dans le passé, au temps de Jésus, on parlait des démons
Et Jésus chassait ces démons. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue? Il y a toujours Satan qui travaille, le menteur qui veut nous séparer de nous-mêmes, de notre Dieu, le démon de la drogue. C'est à chasser. Demandez à une famille, à un papa, à une maman, que leur enfant est dans la drogue. Vous comprenez que c'est vraiment un démon qui envahit, qui détruit. Il y a le démon de la pornographie. Oh, c'est quelque chose qu'on met à part, sous le tapis. On ne veut pas parler de cette chose. Peut-être c'est personnel. Mais vous savez très bien que la pornographie gèle le cerveau et le rend incapable de clarté, de transcendance, de créativité. C'est la mort des vraies relations humaines. C'est le démon même. Il y a les maux de notre société d'aujourd'hui qui a écarté Dieu de la vie des gens. Et elle se force de remplacer Dieu en détruisant le plan de Dieu, l'ordre naturel et moral. Pensez à la théorie des genres, la manipulation génétique, l'affaiblissement de la famille, le désordre culturel, l'effondrement des cultures, l'euthanasie, l'avortement, oui, l'avortement qui est la violence directe contre les bébés à naître. Écoutez ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix partout dans le monde où on demande d'enlever la peine de mort contre des gens qui ont commis des crimes. Mais, en même temps, ces mêmes voix, cette même société, elle fait des lois pour tuer nos bébés innocents dans le ventre. Est-ce que c'est intelligent, ça? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on lit « Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. » Voilà, c'est l'Évangile qui nous dit ça. Et quand on parle après le coucher du soleil, on parle de la nuit des hommes et des femmes. On parle de cette ténèbre qui a envahi les cœurs, la confusion qui rend l'être humain incapable d'aimer. La ville entière se pressait à la porte. C'est public. Ce n'est pas d'exposer un mal en privé. Saint Marc nous dit, c'est public. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Et Jésus guérit beaucoup de gens, atteints de toutes sortes de maladies. Je répète, toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup des démons, ces dépendances qui font la ruine de l'être humain du dedans, les démons.
Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Et puis ensuite, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il a passé la nuit avec nous. Notre Dieu ne dort pas. Il est toujours attentif à nos besoins, surtout quand ça fait mal et durant notre nuit. C'est notre maman, à nous de faire de même. Comme ces gens de l'Évangile qui ont exposé leur maladie devant Jésus, nous sommes appelés aujourd'hui à amener nos douleurs et blessures de tout genre à Jésus. Ou, c'est très indiquant, dans la maison de Pierre. Tout ça, ça a été fait dans la maison de Pierre à Capharnaüm. C'est quoi la maison de Pierre? C'est l'Église. C'est l'Église avec son trésor de sacrements, son trésor de grâce. C'est là où Jésus nous attend, dans la communauté de foi. Nous ne sommes pas sur la rue. Nous sommes dans la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu. Ne sortez pas de l'Église. C'est là où Jésus se trouve pour nous guérir et pour guérir l'Église aussi. Il est là, parmi nous. Il nous attend pour nous guérir. Pensez à l'Eucharistie, pensez à la confession. Ils sont le remède de tout mal. Écoutez bien, Jésus, parfois, il prend bien le risque de nous demander, nous qui sommes affligés par nos souffrances, il nous demande de guérir les autres en acceptant nos propres souffrances et en devenant comme lui, par l'amour et par la prière, des intendants de guérison. Ça, c'est ça, la surprise d'être chrétien. Même dans nos souffrances, comme nos chers, les saints, ils ont vécu leurs souffrances pour nous guérir à nous. Pensez à la dernière fois que vous avez prié votre saint préféré pour une guérison. Ce même saint que vous avez prié, ce saint ou bien cette sainte, ils ont vécu, accepté leur souffrance pour nous. Ils sont devenus les intendants de guérison. Et comme Dieu le Père passe à nous par la croix de Jésus, Jésus nous demande de passer par notre croix pour guérir les autres. Méditez sur ça. Quand vous êtes dans la douleur. Rappelons-nous, mes chers frères et sœurs, la seule dépendance permise aux chrétiens, c'est de dépendre uniquement de Jésus. C'est la seule dépendance permise à nous, se dépendre de Jésus. Jésus qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Courage, mettons toute notre confiance en lui.
renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apportée par le Christ et avait fait l'expérience de sa propre libératrice, sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement, qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elle ait le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection. Prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes. Prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques intendants et intendantes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les intentions de cette messe, pour Jacques Gagnon, offerte par Anne et Lorraine Dignard. En l'honneur de Notre-Dame de la Paix, offerte par Ginette et Gilbert Clément. Pour le repos de l'âme de Maman Moku, Marceline, et pour les âmes du purgatoire de tous les défunts de la famille, offerte par la famille Chouambou. Pour remerciement pour grâce obtenue par la famille Sobrin et pour René Autré. Prions le Seigneur. Mettez vos besoins personnels sur l'autel de Jésus comme offrande ce soir, surtout ceux et celles qui souffrent parmi nous et ceux qui les soignent, ceux et celles qui sont attentifs aux douleurs et souffrances des autres. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
lépreux tombe à genoux. Son cri réveille ta puissance et tu réponds à sa confiance. De Samarie ou de Judée, combien de nous sont retournés pour le même récit des gens debout? Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Mis nous à mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refaire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, y rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint Charbel, Saint Rapha, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Il est facile, sauver son âme est le seul but, tout autre soin est inutile. Plus que jamais, sois donc chrétien, sans le salut, pensons-y bien. C'est pour toute une éternité qu'on est heureux ou misérable. Magnificat. Magnificat. Recueillons-nous. Recueillons en silence, recueillons-nous. Tendre mère, tu nous montres de chérir ton Jésus, de l'aimer et lui plaire en gardant une âme pure. Vers toi monte, ô mère, notre hymne de plus que jamais, sois donc chrétien, quand on le veut, il est facile. Sauver son âme est le seul but, tout autre soin est inutile. Plus que jamais, sois donc chrétien, sans le salut, pensons-y bien. C'est pour toute une éternité qu'on est heureux ou misérable. Mes chers amis, le carême va commencer bientôt. Alors, le 17 février, c'est le mercredi des cendres. On va célébrer ici à l'église le 17 février et le 18 février, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi, pour distribuer les cendres, comme on fait pour le service de communion. Alors, vous allez réserver sur Eventbrite et j'espère que vous allez venir beaucoup, en masse. Je vous attends. Durant le carême, tous les vendredis du carême, on va célébrer une adoration du Saint-Sacrement avec la possibilité du chemin de la croix. Je veux prendre un petit moment pour encourager nos jeunes qui se sont inscrits au sacrement de la confirmation et de la première communion. Je sais très bien que vous avez commencé. On a commencé avec le lien virtuel, notre rencontre sur la confirmation avec Clarelle et Jordan. Et je sens très bien que vous êtes très heureux. Avec nos jeunes de la première communion qui vont commencer avec leurs parents cette semaine, ils vont recevoir le lien. Alors, je vous demande de faire attention à Jésus qui vous parle
même si on le fait à travers virtuel, à travers le biais de Zoom, mais c'est toujours Jésus qui touche votre cœur. Chaque fois que vous êtes là devant l'écran, faites une petite prière, demandez à l'Esprit-Saint de vous inspirer, ouvrez votre cœur à l'accueillir. C'est merveilleux. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.